l'éternel. Amen. Now believe that the Lord is going to heal us now. Croyez que le Seigneur va nous guérir maintenant. Now believe that the Lord is going to heal us now. Croyez que le Seigneur va nous guérir maintenant. So one more song we sing now. Nous allons prendre un autre chant. At this time you believe that Jesus is going to raise in you. The risen Lord is going to work in you now. Pendant ce chant, croyez que le Seigneur, le Christ ressuscité, va œuvrer en vous et qu'il va vous guérir. The risen Lord is going to heal you now. Le Christ ressuscité va vous guérir maintenant. That Jesus who says, I am the resurrection is in you. Jésus qui dit, je suis la résurrection. That Jesus says, I am the living bread is in you. That Jesus said, I am the way, truth and life is in you. And we every day participate in the liturgy and we understood what means the liturgy. All the passion, death and resurrection, what Jesus did and the grace is produced, he is giving to us through the liturgy. So let us raise our hands and praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise you, Jesus. Thank you. Come on, louder, louder. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 The signs now. Seigneur, les give signes. Us the signs. Donne-nous des signes. Give us the signs. Donne-nous des signes. Give us the signs. Donne-nous des signes. Praise you, Jesus. Louange à toi, Jésus. Now the Lord is telling that somebody who has severe pain on the finger, this finger, this middle finger is healed now. Le Seigneur dit qu'il y a une personne qui avait la douleur au niveau du majeur. Is there anybody here who had severe pain or some problem in the finger? Can you move your finger and see if it is? Une personne qui avait des douleurs au niveau du doigt, au niveau du majeur, le Seigneur vous a guéri. Vous pouvez vérifier, la douleur a disparu. Who is that person? Qui est cette personne? Anybody here who received a healing ici qui a reçu of the finger? Guérison au niveau du doigt. Anybody? Y a quelqu'un ici? Okay, so we pray once again for another, the Lord may do some other healing. Nous allons prier pour que le Jesus. Seigneur continue à nous guérir. Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. 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 Somebody who had a pain on the side, you know, below the heart or the side. Le Seigneur vient de guérir une personne qui avait des douleurs au niveau du côté, en dessous du cœur. Yeah, du the side, at the ribs or au under the inside the ribs. Au niveau des côtes, au niveau des côtes. And the Lord is healing that person le now. Le Seigneur guérit cette personne maintenant. Is there anybody who had pain on the side and inside the rib? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des douleurs au niveau du côté, au niveau des côtes? Yeah. Is there anyone here? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Who had? Now you put down your heart and only the person who had healing of the rib, raise the hand. Vous pouvez garder vos mains en bas et seulement la personne qui a été guérie de ses douleurs au niveau des côtes, vous pouvez lever la main. La who personne is that? Qui a été guérie des côtes. Praise the Lord. Thank you. Let us clap. Can you come and can you please come? Est-ce que vous pouvez venir vous témoigner? This is the Lord's promise. I will confirm. C'est la promesse de Dieu. Je vais confirmer la parole par des signes. Yes, yes. Come here. You speak. Speak. Oui, je dis. Oui, ça fait depuis quelques mois que j'avais mal. Et j'avais mal et je pensais que c'était une douleur comme ça et puis voilà,
je ne me suis pas occupée, je n'ai pas été voir le docteur. Je n'ai pas été voir le docteur. Et là, je n'ai plus cette douleur. And now she doesn't have the pain anymore. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You say it again. It has been many months that she's been having pain in her, her side, but she just thought it was a normal pain. She did not take care of it. She did not go to the doctors, but now she feels that the pain has disappeared. Praise the Lord. Now, Amen. Once again, let us think and thank God for that. So, this is a confirmation. All what we learned is truly the truth and from Jesus Christ. Because Jesus said, I will confirm through signs. Hallelujah. Hallelujah. Come on, sing. Il s'est manifesté nous, l'avons rencontré vous.